Ça va très bien, vous-même? Oui, très bien. On est là Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. On a essayé de mettre la plus grosse balle qu'on avait, mais on n'avait pas forcément assez de mètres carrés. On a essayé de gérer sous l'eau. Du coup, il fallait mettre moins de poids, plus de poids, mais il fallait gérer avec la yole. Ça a été compliqué, mais on a su gérer et entrer sur la quatrième place. Quatrième place? Oui, la quatrième place. Bon, c'est quand même, oui. Donc, quand on dit qu'il y a un peu de poids, c'est ça, quand il y a trop de poids sur la yole, on essaie de mettre. Celui qui pèse le plus lourd, on le fait tomber à l'eau et on allège la yole avec un gars plus léger. Ouais, c'est super. Eh bien, je vous ai fait ça comme un poids, vous pas. On va pas beaucoup on a dû faire ça deux fois. Ouais. Ben, comme moi, justement, j'étais sous la yole et on m'a fait 200 fois. Je pèse quand même assez. On m'a fait tomber à l'eau et on a allégé il n'y a plus de soucis. Du coup, on a continué sur la même lancée avec le même équipage. On m'a fait tout le monde tomber à l'eau parce qu'on va arriver sur, tout seul sur la yole. Voilà. Bon, je suis arrivé quand même quatrième et ça m'a fait plaisir. Bon, alors, donc, concernant deux lignes, le cap, donc, comment vous avez fait? Et à mon avis, demain, si je pense qu'on va mettre la même voile. On va garder le même mètre carré et essayer d'assurer parce que le parcours sera long. Il faut être physique et il faut avoir du mental. Techniquement, il ne faudrait pas beaucoup de changements sur l'eau, il faudrait assurer. Je pense qu'on va essayer de garder notre place pour éviter d'avoir un truc de 2 mètres à gérer après. Donc, vous allez essayer de vous appuyer un peu pour c'est ça, on va attaquer les gros mordants, mais nous avons peut-être pas assez de mètres carrés ou peut-être pas assez de gars pour gérer les mètres carrés. On va essayer d'assurer notre place et de continuer sur cette lancée-là. On va bien contrôler. Si on n'est pas assez équilibré sur la yole, techniquement, ça va nous faire peut-être pénaliser sur certaines choses. Il faut rester à temps, on doit de le vent annoncer, il faut très attention sur la gueule, pour savoir glisser. Et depuis le départ, quel étape qui a été plus facile pour nous? L'étape qui a été le plus facile pour nous, sans mentir, c'est cette étape-là aujourd'hui. Parce que l'étape d'hier, c'était vraiment compliqué, il n'y a pas de vent du tout, on avait une petite voile, il fallait beaucoup. Bassiné, c'est super aussi. Bon, mais on a quand même réussi. Dans ce game, je pense que 9e, c'était pas forcément plaisant pour nous les jeunes. Parce que nous ne sommes pas tous montés sur la gueule. Ça veut être cher à certains gars de la gueule. Je comprends, pour moi-même aussi. Mais on est quand même en ski, genre pour les autres gars, ça va. Vous êtes là combien de jeunes? Sur cette gueule, je vais pas mentir que nous sommes quand même assez nombreux. Mais c'est pas tous les jeunes qui montent sur la gueule. Parce qu'il y a un noyau d'anciens, un groupe d'amis qui restent sur la gueule, qui ne veulent pas faire tourner. Et franchement, ça nous embête un peu. Bon, ben, j'ai vu le bâton, il faut qu'on a vu comme elle vient, partager, et un beau jour, la lumière, c'est Rémi. Je l'espère aussi, je vous remercie à vous.